J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo. Ce sera une vidéo en deux parties. La première partie où je fais ma création et la deuxième partie où on ouvre un envoi. Puisque je me suis inscrite à un petit challenge en binôme. Donc, c'est sur le groupe donc, qui s'appelle le groupe des Scrap Copines. Scrapbooking et Mix Media. Bien sûr, je vous mets le lien en description du groupe. Donc, pour ce défi, il faut réaliser 2 ATC et une carte sur le thème de la mer. Et donc, j'ai été désignée parce que c'est en binôme. Donc, c'était un tirage au sort. Et Lydie a été choisie pour faire un binôme avec moi, du coup, pour réaliser ce défi. Donc, j'y ai réfléchi, bien sûr, et je me suis dit que j'allais partir sur des tamponnages. Donc, j'ai acheté des tampons il y a très longtemps. Très longtemps, non, je crois que cela, il date de la dernière commande Shein, justement. Donc, de ces petits sirènes, en fait, c'est des sirènes, mais c'est un petit garçon. Je trouvais ça un peu original. Ensuite, cela. Ensuite, j'avais déjà cela. Donc, il me semble qu'ils viennent de chez Action. Ça fait tellement longtemps que je les ai, j'ai même pas écrit d'où ils venaient. Mais il me semble que cela vienne de chez Action. Donc, avec la circuit, je me suis amusée à venir les détourer. Donc, ça va être ma base. Après, comment je vais les utiliser, j'en sais rien. Pour elle, je lui ai fait 2 fois la même chose pour lui mettre en cadeau en supplément. Je ne sais même pas ce que je vais utiliser, mais bon, au moins, elle aura déjà ça. Ensuite, en base de carte, je voulais partir sur quelque chose d'un peu original, entre guillemets. Donc, j'ai regardé sur ma circuit et j'ai trouvé ce modèle. En fait, c'est une base de carte comme ceci et on vient coulisser ceci à l'intérieur. J'ai trouvé que la base de carte était plutôt pas mal. Sauf que en fait, je l'ai fait sur un papier A4 et ici, il manquait un petit peu. Donc, j'ai utilisé une feuille 30-30 un peu texturée, comme ceci. Et donc, du coup, comme il faut faire forcément les ATC assortis, j'ai décidé d'utiliser en fait ici du papier calque. J'aurais bien voulu venir le mettre comme ceci derrière en fait. Je pense que ça peut rendre très joli et venir décorer après avec justement les tamponnages. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire la base d'ATC avec les chutes de calque et que j'allais venir mettre ça au-dessus. Mais en fait, je l'ai coupé beaucoup trop court. Mais en fait, je me dis que ça fait un bon cadre et que ça peut être plutôt sympa. Donc je pense que je vais rester là-dessus parce que là, en fait, il manque un tout petit peu. Ma feuille était trop petite. Enfin bref, je pense que je vais partir là-dessus. Le papier calque vient de chez Action, donc de ce bloc-là. Donc j'ai pris les petites étoiles. Hop, les petites étoiles comme ça. Je l'ai trouvé dans le thème, hein, justement un peu marin. Et ensuite, je voulais faire un fond avec les distress. Vous savez que j'adore les distress. Hein. Donc là, j'ai pris celle-là. J'ai vu Océan, je me suis dit, c'est dans le thème. Et celle-ci. Parce qu'il me fallait une couleur un peu plus foncée. Je pense que ce sera plus joli. Et en fait, je voulais faire un fond avec un pochoir vague. Sauf que j'en avais pas. Et je me suis dit que utiliser des... Alors, comment qu'on appelle ça? Des dies de bordure. Et de venir les couper comme ça. Ça pouvait être sympa pour faire des motifs. Écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. Peut-être ça va être hyper moche, mais on verra. On va façonner petit à petit. Bon, je pense qu'il faut juste faire les bords puisque ça va être replié. Mais écoutez, on va quand même faire l'arrière. On va tout faire comme ça. Ça fera plus joli, je pense. Donc, je vais utiliser les distress. Et en fait, je pense que je vais faire totalement aléatoire parce que je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre ceci. Je vais faire et on verra ce que ça donne. Hein. Si c'est moche, c'est moche. Hein. Écoutez.
Donc voilà à peu près ce que je voudrais que ça donne. Par contre, je pense que je vais venir ajouter un peu de couleur sur les tamponnages. Je vais vous épargner ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis venue mettre en couleur tous mes éléments. Alors me jugez pas, j'ai pas l'habitude de faire de la colorisation. Hein. Et ensuite, je suis venue tout passer au noir déjà avec ma petite brosse. Et après, pour plus de précision, je suis passée avec ça. Donc surtout les éléments. Et maintenant, je vais venir tout assembler. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne pour la carte. Je suis tout simplement venue rajouter des petites strass. Donc c'est des strass de diamond painting. En fait au rayon enfant, ils vendent des diamond painting enfant. Mais moi je les fais jamais. Je les achète juste pour récupérer les diamants. Puisqu'en fait c'est pas cher, c'est moins d'un euro. Et les petits strass comme ça, j'arrive mieux à les utiliser que les gros. Et je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc j'ai terminé ma mise en couleur etc. Ensuite avec ma distress noire je suis venue passer tout autour de mes éléments et aussi tout autour de mes ATC. Donc autour de ce papier là et autour de ce papier là pour faire un petit cadre noir. Et je suis venue ajouter des petits sentiments et des strass. Donc voilà ce que ça donne pour les deux ATC. Et pour la petite carte, et là derrière, je suis déjà venue écrire mon petit mot. Et avec ceci, je vais lui mettre tous les tamponnages en deux fois. Et je lui ai également mis des petites strass de diamond painting. Donc les deux couleurs que j'ai utilisées. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour découvrir l'envoi de Lydie. Je vous retrouve donc pour ouvrir l'enveloppe de Lydie. Comme d'habitude, j'ai pas pu résister, j'ai été obligée de regarder. Au moins, je vous ai envoyé l'enveloppe, enfin, je vous ai retiré l'enveloppe pour les adresses, etc. Au moins, il n'y a aucun problème. Donc, on a une petite carte comme ceci, magnifique en forme de petite cabane de plage. Je trouve ça trop mignon. Donc je vous rappelle qu'il fallait faire deux ATC et une carte. Donc voilà sa petite carte. Ensuite il y a ceci. Donc j'imagine qu'elle a mis deux cartes. Ah j'adore le petit shaker, regardez ça. Ah, il y a un truc à l'intérieur. Hop, il y a plein de petits plus. Hop, la petite carte, regardez, j'adore. Moi ça m'éclate les trucs comme ça, je pourrais jouer avec pendant des heures. Et dedans, donc, on a une petite sirène. Hop, je vais essayer de tout retirer pour vous montrer la magnifique petite sirène qu'elle a mis. Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'adore. Avec du papier embossé et elle a fait le fond avec des tamponnages. Et derrière, on a des petits hippocampes. Et donc, à l'intérieur, elle avait mis ceci. Donc, plein de petits plus. Alors, on a des petites choses comme ceci, trop mignon. Ah, plein de petites choses comme ça, des dice cuts. Donc là, on était plutôt sur du tamponnage. Là, on est plutôt sur du dice cut. C'est trop cool. Oh, les petites sirènes là, elles sont trop mignonnes. J'adore. Ensuite, elle m'a mis encore des dice cuts comme ceci. Alors maintenant, tout ce qui est dice cut, tamponnage, etc. J'avais trop peur de les utiliser quand vous me les envoyez. Mais j'ai décidé de faire un petit... un art journal ou un art collage avec tout ce que vous m'envoyez. Franchement, c'est magnifique. Je vais pouvoir faire au moins une page avec ça, même plus que... Ah, j'adore ça! Les petits cadres comme ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais pouvoir au moins faire une page avec tout ça. Oh, c'est trop cool ça aussi. J'adore. C'est pas les blocs de chez Action ça? Si, je crois. Ça doit être les petits blocs de chez Action. Elle m'a mis ce papier. Il est magnifique. Elle m'a mis ceci. Ceci. Un papier comme ça. Franchement, c'est trop cool. Et donc, du coup, on a également des stickers. Donc là, il y a pas mal de choses que je vais pouvoir utiliser dans mon petit carnet. Je suis trop contente. Je pense que j'ai bien fait de faire ce petit carnet. Je vais m'amuser avec tous vos petits plus.
Et c'est pas tout parce que ici on a les ATC. Donc elle a fait une magnifique pochette comme ceci. Et à l'intérieur, elle a mis les petites ATC. Elles sont trop belles. J'adore. En plus avec du rose, magnifique. Elles sont trop belles. Bah, je peux vous les montrer parce qu'il n'y a pas d'informations personnelles à l'arrière. Donc franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup pour cet échange. Et encore merci au groupe qui organise très souvent des échanges à thème. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer du coup le petit art journal. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça en fait. Donc, il y avait une personne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle m'avait envoyé des magnifiques femmes comme ceci. Et en fait, je lui ai demandé si elle les avait vues, si elle les avait eues sur Pinterest ou quoi, pour que je puisse les réimprimer parce qu'elles étaient trop belles. Et en fait, non, ce sont des images qu'elle a achetées. Donc, du coup, ça m'embêtait beaucoup de les réimprimer, etc. Donc, j'ai fait une page de art journal. Voilà. Et donc ça, je me dis que ça pourrait être un petit calepin où je ferai des pages avec justement ce que vous m'envoyez. Puisqu'à chaque fois, j'ai peur de les utiliser, de gâcher, etc. Au moins, avec ce petit carnet, entre guillemets, j'aurai tout avec moi, ce que vous m'envoyez. Et au moins, j'aurai pas peur de gâcher. Je pourrai tout garder avec moi. Donc voilà la première page que j'ai faite. Et la deuxième, je la ferai sûrement avec tout ce que Lydie m'a donné. Si vous voulez que je le fasse en vidéo avec vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un petit commentaire et me dire « Je veux bien voir le carnet des abonnés avec toi ». On va l'appeler le petit carnet des abonnés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans d'autres vidéos créatives. Bye bye tout le monde !